Les commanditaires associés à l'émission La cuisine moderne au four micro-ondes sont Lassard autour du 38 8e avenue Est à Lassard, l'Aube IGA du Carrefour Lassard, 3e rue Est. Également le Carrefour Lassard, c'est génial, du 3e rue Est à Lassard. La cuisine moderne du 114 rue principale à Palmarol, Maison Déco 1991 incorporée du Carrefour Lassard. Et finalement, l'Aube incorporée du 201 6e rue Ouest à Amos. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre dernière émission de la cuisine moderne au four à micro-ondes. Bonsoir Lise. Bonsoir Isabelle. C'est un peu triste, mais on va essayer de rester gay quand même. On n'a pas d'oignons épluchés parce que c'est une recette de dessert. De dessert, on peut pas pleurer. Pas d'oignons, on pleurera pas. Ça a été super le fun de travailler, en tout cas d'apprendre. J'espère que les gens vont avoir appris beaucoup. C'est pas terminé, il reste notre recette de gâteau aux carottes glacées au fromage. J'ai hâte de voir la dernière, ça. Mais pas la moindre. C'est ça, comme dit le bon proverbe. On a gardé quand même quelque chose de bien pour le dessert. On va commencer, même si c'est la dernière émission, si on veut finir dans le temps, parce que nos caméramans nous ont poussé un peu tout le temps des émissions pour qu'on finisse dans le temps. Tout au long de la série, oui. La farine qui a été déjà tamisée, c'était important de tamiser la farine avant de la mesurer. Avant de poursuivre, je vais peut-être énumérer les ingrédients de la recette pour notre gâteau aux carottes glacées au fromage. Pour le gâteau, tout d'abord, une tasse et quart de farine, une cuillère à thé de poudre à pâte, une cuillère à thé de soda, une cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de vanille, deux tiers de tasse d'huile, une tasse de sucre, deux œufs, une tasse de carottes râpées fines, une demi-tasse d'ananas broyé et goûté. Pour le glaçage, 4 onces de fromage Philadelphia, 2 cuillères à table de beurre, 1 cuillère à table de crème ou de lait et 2 tasses de sucre à glacer. Ça fait qu'on va commencer par la préparation du gâteau aux carottes. Excellent pour la santé, gâteau aux carottes. Sans doute, oui. Oui. Qui se prépare merveilleusement au four micro-ondes. C'est un des gâteaux que je préfère préparer. D'ailleurs, la recette que j'ai présentement en main, c'est celle fournie par Lise qui travaille ici à Maison Déco. Ah oui, en plus. Parce qu'elle m'a juré que c'était la meilleure. Ça fait que je l'ai expérimentée certainement. Je les ai comparées avec les miennes. Et puis, effectivement, c'est une très, très bonne recette. C'était une bonne recette. Ça fait que je lui fais le plaisir de passer sa recette. De toute façon, les recettes faites par une bonne cuisinière comme toi. Oh, oui, les fleurs. Pas faire autrement. C'est la dernière émission. Faut que je le dise. On va ajouter les ingrédients secs, poudre à pâte, soda, le sel, soda, c'est pourquoi ça? Et cannelle. Poudre à pâte et soda, ça se ressemble. C'est deux agents de levain. Okay. Poudre à pâte est un levain entier. C'est-à-dire que dans la poudre à pâte, vous avez deux éléments, un acide et une base, qui sont séparés par de la fécule de maïs. Okay. Et aussitôt qu'on va mettre la poudre à pâte en contact avec un liquide, elle va faire son action parce que la base va entrer en contact avec l'acide et puis ça va produire du gaz carbonique. Ah bon, okay. Le soda est un des éléments de la poudre à pâte. Vous allez retrouver du soda dans la poudre à pâte. C'est l'élément basique de la poudre à pâte. Ah. Et quand on va employer seulement du soda dans une recette sans poudre à pâte, c'est qu'on aura un élément acide, comme les ananas, par exemple, qui vont faire la réaction pour produire le gaz carbonique. Alors, à ce moment-là, on utilise du soda aussi parce qu'on a un peu d'ananas. Et comme ce n'était pas suffisant parce qu'on n'en a pas en grosse quantité, on a mis quand même une cuillerée de poudre à pâte. Tous les ingrédients secs ensemble veut dire le sucre aussi. Et le sucre donne un gros avantage à être utilisé avec la farine à ce moment-là parce qu'il va séparer les particules de farine puis il va permettre de faire un mélange beaucoup plus homogène. Ah bon. Puis c'est un gâteau très, très, très simple à réussir parce que ça se fait sans que personne puisse manquer son goût. OK. C'est pas le genre de gâteau qui renfonce dans le milieu. Non, c'est impossible de manquer ce gâteau-là. De toute façon, c'est tellement beau de voir au micro-ondes lever un gâteau. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais il faut la faire au moins une fois pour voir lever un gâteau au micro-ondes. 2, 3, 4 minutes, on voit lever le gâteau, on le voit gonfler. 11 minutes, il n'y a pas de danger qu'il gonfle trop, non? Il faut quand même calculer qu'on n'a pas le bon les temps. Moules plus qu'aux 2/3, là, normalement. Ensuite, on va préparer dans un autre bol à part les ingrédients liquides. L'huile. Les carottes râpées.
les carottes râpées qu'on aura sont râpées assez finement. Oui, hein? Du côté très, très, très fin de la râpe. Okay. Vous avez deux endroits pour râper sur une râpe. Un qui fait une râpure moyenne et puis celle-là qui fait une râpure très, très fine. Okay. Il faut vraiment les râper très fines. On les retrouve pratiquement pas dans le gâteau. On va retrouver plus une couleur, un parfum que la carotte elle-même. Là. Pour ceux qui ont peur, là, en pensant à gâteau aux carottes, comme je l'ai entendu dire. Là. Les carottes avec le sucré, c'est pas tout le monde. J'ai gardé le mesurage des ananas pour la fin parce que je voulais quand même montrer comment mesurer les ananas pour être certain de son coup. Là, je ne vais pas mesurer mes ananas avec une cuillère puis remplir ça, okay, puis conserver le liquide. Il faut vraiment que j'égoutte bien les ananas. Ça prend moins de liquide que possible, quoi? Le moins possible de liquide. Okay. Ça fait que je vais les prendre d'abord à la fourchette. Je vais déjà perdre une bonne partie du liquide. Je pourrais les passer dans un tamis si j'avais une grosse quantité aussi, puis égoutter complètement. Mais comme je veux conserver le reste de la boîte d'ananas, c'est préférable que je conserve avec le liquide. Dans ça le fait liquide. Que là, à ce moment-là, je préfère ne pas le jeter. Ça fait que je vais égoutter ma petite demi-tasse d'ananas broyée. C'est vraiment les ananas, les carottes qui vont faire le liquide. J'ai pas vraiment de lait ou de... Ah oh, non! D'eau ou d'autres liquides. Il y a les œufs peut-être? Est-ce que il, y a ça les, va? Il y a les œufs, il y a l'huile. Puis il y a l'huile. Mais, c'est ce qui sert de liquide. Mais comme liquide à part de ça, je n'ai pas d'autre chose. Okay. J'ai l'humidifiant qui est les ananas. C'est un humidifiant naturel. Puis là, comme on n'aura pas le temps de faire tout le gâteau, de le finir, j'en avais déjà préparé quelques-uns d'avance. Comme je sais évidemment que les gâteaux aux carottes, ça se mange très, très bien. Ça jette un beau coup d'œil. Je ne me suis pas gênée pour en préparer un ou deux d'avance. C'est tellement rapide de toute façon. Dans, mm-hmm, dans le temps qu'on ferait un gâteau dans un four traditionnel, on en fait trois comme celui-là. OK. Alors, vous avez remarqué que je c'est presse vraiment... bien les ananas et que c'est je ça. Les égoutte bien. Oui. C'est un gâteau rapidement préparé. Ça prend quelques minutes à le préparer puis ça prend 11 minutes à le cuire. Moi, c'est vraiment 11 minutes, pas long. C'est le 11 minutes de cuisson qui m'impressionne. Hein? Quand oh, on oui. sait qu'on va cuire un gâteau traditionnel une heure et quart oh, oui, souvent, oui. dans un fourneau ordinaire, que ça va coûter très cher d'électricité. En plus, l'énergie, c'est fait oui. comme ça consomme. On n'oubliera pas la vanille. C'est presque essentiel. C'est une cuillère à thé de vanille? C'est traditionnel, oui. Oui. Une cuillère à thé de vanille. Et puis, on n'oubliera pas les œufs, évidemment, parce qu'un gâteau sans œufs... Difficile. J'ai une petite recette de pâte à pâté sans œufs, mais un gâteau sans œufs, on ne voit pas ça souvent. Non. En fait, c'est ce qui doit faire tenir le gâteau? Ou... C'est ce qui fait lever aussi. Ce qui fait lever, en plus, oui, ça parce contribue que à lever. L'œuf aide à faire le mélange pour qu'il reste vraiment bien lié, puis il va aussi faire entrer de l'air dans le gâteau. Ah bon? Et puis, oh, c'est primordial, des œufs dans un gâteau. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup de recettes de gâteaux qui n'ont pas d'œufs. Il y a même des recettes de gâteaux où vous allez retrouver 6 à 8 œufs. Souvent, oui. Alors, les deux œufs entiers. On arrive à la fin, c'est la 15e émission. Il nous restait deux œufs, un gros œuf brun et un petit œuf blanc. Un petit œuf blanc. Oui. C'est préférable d'avoir quand même deux œufs de grosseur raisonnable. Oui. C'est pas tellement économique de toute façon d'acheter des tout petits œufs. Là. Des fois, on est obligé d'en mettre trois au lieu de deux. C'est ça. Alors, mélanger à la fourchette, surtout pour séparer l'œuf, pour bien l'intégrer aux ingrédients liquides. Et puis, on a la cannelle dans les ingrédients secs qui va donner une petite coloration aussi, mais il y a seulement la cannelle. Vous remarquez que c'est tous des ingrédients blancs. Et tantôt, quand je vais vous passer le gâteau tout fait, vous allez voir qu'il y a une teinte dorée, tout à fait caramel. Okay. Et puis, on se demande d'où ça vient. Il ne faut pas se le demander trop longtemps. La carotte. Oui, la carotte. La carotte va colorer, mais ça ne sera pas orange. Ça va être plutôt brunâtre. Ça va être un beau gâteau brun cannelle, brun doré. Okay. On va ajouter tout simplement les ingrédients liquides dans les ingrédients secs. Pas de malaxeur, pas de batteur d'œufs, pas de fouet. C'est simple et rapide. Simple et rapide, et puis c'est surtout des ustensiles tout à fait ordinaires que tout le monde possède. Si on n'a pas son malaxeur, ça ne nous empêchera pas de... Avec la cuillère de bois, ça va très avec bien. La cuillère de bois, si vous n'en avez pas une, prenez-vous une bonne grosse cuillère de métal. Ben, c'est sûr que ça travaille mieux avec une cuillère de bois. Ça se mélange quand même assez bien. Hein, ça va se mélanger très bien. Ça fait une belle pâte épaisse qui se manipule bien. Et puis, si vous n'avez pas le moule tubulaire comme on va l'employer, vous allez employer n'importe quel plat de verre, moule de verre que vous avez à la maison. Okay. Si vous n'avez même pas autre chose, vous pouvez tout simplement employer un bol à mélanger avec le micro-ondes. C'est ce qu'il y a de fin. On prend la vaisselle ordinaire qu'on prend pour manger. Bien, c'est ça. Je crois bien que même l'étudiant le plus démuni va bien se trouver... c'est ce qu'il y a de pratique. Un plat assez grand pour cuire son gâteau. Si vous voulez le faire en plus grosse quantité, il va bien se conserver. Vous pouvez le congeler.
Moi, j'avais peur, pas beaucoup de liquide comme ça, que avec ce soit, la farine, que ce soit difficile à mélanger. Très épais et difficile à mélanger, puis on voit que la pâte est quand même bien homogène. Il faudra aller jusqu'au fond pour tout ramasser. Pas rester trop de farine. Et puis, c'est un gâteau qui se mélange bien en quelques coups de cuillère. Mm-hmm. Et ça serait tout à fait inutile d'avoir un malaxeur avec les morceaux d'ananas puis de carottes qu'on a. Ça se mélangerait très mal. Non. Tandis que la cuillère fait très bien son travail. On va passer à la pause. Après la pause, on va vous attendre. On ne cuira pas le gâteau tout de suite parce qu'on va vous montrer comment préparer le moule d'une façon spéciale pour le four à micro-ondes et puis aussi comment préparer le micro-ondes pour la cuisson du gâteau. OK. Alors, on vous revient avec le glaçage et la finalisation du gâteau au micro-ondes. Les commanditaires associés à l'émission La cuisine moderne au four micro-ondes sont Lassard Auto du 38 8e avenue Est à Lassard, l'Aube IGA du Carrefour Lassard, 3e rue Est. Également le Carrefour Lassard, c'est génial, du 3e rue Est à Lassard. La cuisine moderne du 114 rue principale à Palmarol, Maison Déco 1991 incorporée du Carrefour Lassard, et finalement, l'Aube incorporée du 201 6e rue Ouest à Amos. Alors, Lise, nous sommes de retour avec notre gâteau aux carottes. Pour finir notre gâteau aux carottes, on va commencer par préparer notre moule. C'est important, c'est pour ça que j'ai attendu un beau moule rose. Un beau moule rose, oui, pour aller avec notre cuisine rose et nos accessoires roses pour la beauté du décor, c'est important. C'est ça. On va se préparer une nappe de papier. On va peut-être y en enlever des petits bouts. Là. On peut tout simplement le laisser carré, mais moi, je préfère y en enlever quelques coins. Là. Toujours pour la beauté. Oui. On va ensuite préparer une petite fente au centre parce qu'on veut glisser le tube du moule. OK, parfait. Ce ne serait pas nécessaire d'avoir un gâteau avec... D'avoir un moule tubulaire, non. Un moule comme ça, mais pour la cuisson au micro-ondes, c'est très fin d'avoir le tube parce que c'est toujours au centre. C'est ça. On a de la difficulté à finir sa cuisson. Puis à ce moment-là, on n'a pas de difficulté, il n'y a pas de pâte. C'est l'idéal pour la cuisson au micro-ondes. Et puis, ceux qui n'aiment pas graisser les moules, moi, je n'ai jamais aimé tellement graisser les moules. Là. Okay. C'est parfait, on ne graisse rien. Okay. Alors, on a utilisé une simple napkin de papier, un essuie-tout, un morceau d'essuie-tout, une napkin de grandeur respectable, surtout pour le fond. Mm-hmm. Rien d'autre, rien d'extraordinaire. Le papier ciré pourrait-il faire? Le papier ciré ne ferait pas la fin. Non. Non. Pour quelle raison? Il est raide, il est paraffiné, tandis que le papier essuie-tout va absorber un petit peu l'excédent de liquide qui laisse le gâteau un peu collant quand on le fait cuire au micro-ondes. Et puis, l'essuie-tout, quoi qu'on en pense, s'enlève facilement. Cet excédent de liquide-là? Oui. Si vous avez des petits plis, vous pouvez toujours donner un ou deux coups de ciseaux. Ça va aplanir les petits plis autour. Ça, c'est encore des caprices. Quand on est un petit peu perfectionniste, on se donne le trouble de faire ça. Sinon, il s'agit tout simplement de ne pas glisser la pâte en arrière du papier, entre le papier et le moule. Ah oui, c'est sûr. Ça va mieux quand on ne glisse pas la pâte entre les deux. Là. Et puis, comme là, on n'aura pas le temps de cuire notre gâteau tout de suite, on va le faire attendre un petit peu. Les projecteurs sont très chauds. On ne le laissera pas traîner à la température de la pièce. Il ne cuirait pas, Isabelle, mais il lèverait, par presque, exemple. Oui, hein? Et puis après, il nous reste moins de chances de faire lever le gâteau si on l'a laissé traîner avant de le mettre au fourneau. Alors, petite précaution, quand on n'a pas préparé notre fourneau d'avance ou quand on a un petit problème technique, on met toujours le gâteau au réfrigérateur en attendant. Ah, OK. Parce que le froid va empêcher l'action de la poudre à pâte de se faire. Tandis que la chaleur va contribuer à faire activer la poudre à pâte, la production du gaz carbonique va commencer avant qu'on mette le gâteau au fourneau et puis il lèvera plus après quand on va le mettre à cuire. Alors, pour retarder l'action, on garde au réfrigérateur. On le met au frigo. Oui. Alors, on étend la pâte quand même un peu et puis c'est prêt pour le four micro-ondes. Si on a une petite bavure sur le bord du moule, c'est préférable de l'essuyer. Oui, surtout que le gâteau au micro-ondes, comme je vous l'ai dit, là, ce qui était beau, c'est que ça lève bien et rapidement. Ça fait que si on a des petites bavures qui cuisent avant, ça peut empêcher notre gâteau de lever. On le met combien de temps au four micro-ondes, le gâteau? Là, pour le four micro-ondes, la cuisson avec le gâteau, moi, je tourne toujours une assiette au fond de mon four micro-ondes. Ouais. Pourquoi? Ouais. Vous allez me demander. Oui. Parce que si mon gâteau est soulevé, l'air va circuler beaucoup mieux en dessous, va réchauffer mon moule, les ondes vont venir réchauffer tout le tour. Toutes des petits trucs pratiques. Oui, pour avoir le gâteau bien cuit de tous les côtés quand on va avoir fini. Le tube au centre, l'assiette en dessous, le papier au fond. C'est tous des petits trucs qui vont nous aider à avoir un gâteau qui aura l'air... La réussite du micro-ondes. Bien sec quand on aura fini. Alors, au fond du four micro-ondes, on va placer l'assiette. Et ensuite, on va placer le gâteau sur l'assiette. Oui. Ah, OK. Là, on va le placer. Ce gâteau-là. Au réfrigérateur. On le met au frigo. Et puis, on va vous montrer tout de suite ce que ça donne, comme si on venait de le sortir du four. Pendant que vous allez admirer, on va vous préparer le glaçage.
Quel bon ce gâteau-là. Le glaçage au Philadelphia, c'est pas un glaçage qu'on va faire tous les jours. C'est un glaçage excellent. Très dispendieux parce assez que assez dispendieux, le oui. Fromage lui-même quand est même. Dispendieux, mais il est bon. Vous laissez ramollir un peu le... Vous laissez ramollir un peu le fromage à la température de la pièce pour que ça se travaille bien. OK. C'est préférable parce qu'après ça, il faut le défaire de toute façon puis le faire ramollir à la cuillère. C'est plus long. C'est pas tout le monde qui aime le glaçage au fromage Philadelphia. Ceux qui sont pas habitués, il s'agit de ne pas leur dire avant qu'ils vont manger du glaçage au fromage. Puis là, personne ne va parler. Tout le monde va trouver votre glaçage bon. Mais si vous le dites, les sceptiques vont dire « Oh! » Moi, j'aime pas ça. Je pense que je ne mangerai pas de dessert aujourd'hui. J'ai pas tellement faim. Tout ça pour... oser goûter à votre glaçage au fromage. Pourtant, c'est si bon. Le fromage est bien mou. Si vous pouvez voir, ça donne quand même une belle pâte avec notre beau plat noir. Là, ça paraît bien. Mm-hmm. On ajoute le beurre. Parce que c'était pas assez riche, on va remettre un peu de beurre. Qui pourrait bien être de la margarine ou ce serait préférable? Qui pourrait être de la margarine, mais c'est si bon avec du vrai beurre. Surtout rendu dans du beurre frais. Hein. Comme je disais, quand on utilise le beurre à la cuisson, c'est moins pire, mais... Les crémages comme ça, là. Oui, quand je fais le beurre frais, là, je prends toujours du vrai beurre parce que du beurre, c'est bien meilleur. Et puis, quand je vais préparer le beurre aussi comme pour le poisson en garniture de toute fin, quand le beurre va cuire juste un tout petit peu, mais il faut qu'il garde sa saveur. OK. C'est important. Une cuillère à table de lait ou de crème, ça n'a pas d'importance vraiment lequel qu'on va employer. C'est le seul liquide qu'on va employer dans notre glaçage. Alors, Isabelle pourrait vous montrer la belle texture du gâteau. C'est quand même pas un gâteau collant, c'est pas un gâteau humide, c'est pas un gâteau à moitié cuit. Le centre est bien cuit. Ouais. C'est appétissant. Ouais. Il n'y a pas l'air d'un gâteau fait au micro-ondes, même non, on pourrait dire. Même pas. Non. Souvent, on va voir des gâteaux collants. Ça pourrait être difficile à quelqu'un de dire ah, pour moi, tu as fait un gâteau au micro-ondes. Fait ça au micro-ondes. Ouais. Bien là, ce qui nous cache un peu, c'est le dessus du gâteau. Qui n'est pas doré. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un gâteau qui se tient bien. Il n'est pas baveux sur le dessus. Non. Et quand on dit baveux, c'est un terme qu'on emploie facilement en cuisine, peut-être pas ailleurs. Oui. Pour dire une omelette baveuse ou un gâteau ou une pâtisserie baveuse. Je pourrais peut-être relire la liste des ingrédients pendant que tu continues de brasser le sucre à glacer avec le crémage. Pour le gâteau aux carottes glacées au fromage. Pour le gâteau, une tasse et quart de farine, une cuillère à thé de poudre à pâte, une cuillère à thé de soda, une cuillère à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de sel, une cuillère à thé de vanille, 2/3 de tasse d'huile, une tasse de sucre, 2 œufs, une tasse de carottes râpées finement, une demi-tasse d'ananas broyé et égoutté. Pour le glaçage, 4 onces de fromage Philadelphia, 2 cuillères à table de beurre, 1 cuillère à table de crème ou de lait au goût, 2 tasses de sucre à glacer. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de prendre la recette en note, vous pouvez vous la procurer, celle-là et toutes les autres qu'on aura fait avant, soit assez communautaire à Macamic ou encore à la boutique Maison Déco au Carrefour Lassard. Moi, à chaque fois que je fais du crémage pour le gâteau, j'ai toujours l'impression qu'il y a trop de sucre à glacer. Ça prend du temps avant que le sucre à glacer rentre bien dans le crémage, c'est ça. Ça reprend une consistance de glaçage. C'est ça. Vraiment, ça prend un certain temps. Il faut brasser. La première fois qu'on fait le glaçage, on reste un peu surpris parce qu'on se dit qu'on a beaucoup trop de sucre que jamais ça va devenir liquide. Puis t'es porté souvent à ne pas tout le mettre parce que... Puis là, ben, il va couler trop. Puis là, c'est ça, il n'est pas assez épais dans ce temps-là. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que le fromage avec le sucre, le sucre va liquifier le fromage. Le sucre va un peu fondre, va un peu devenir liquide avec le fromage. C'est ce qui va faire que ça va s'étirer. Ça va donner une belle consistance. Très facilement nos 2 tasses de sucre à glacer dans la recette. Très facilement. Ça prend nos 2 bonnes tasses si on veut que ça se tienne suffisamment. On veut quand même un glaçage qui va couler sur le bord du gâteau, mais on ne veut pas qu'il coule tout non plus. Hein? Non, qu'il reste sur le dessus. Donc, ça nous donne quand même une bonne consistance. Un crémage lisse. Qui va tomber. On va commencer à verser le glaçage sur notre gâteau. Isabelle va nous apporter un autre gâteau qu'on a de fini. Oui. Déjà glacé. On va tailler pendant l'intermission pour servir nos invités. Les invités qui ont été
choisi dans la foule des téléspectateurs, parce que vous savez qu'on tourne en direct. Si vous entendez des bruits de fond, c'est qu'on est au centre d'achat et que c'est un beau samedi bien achalandé. Bien ensoleillé. Bien ensoleillé. Même si quand on va nous écouter, ça va être l'automne. L'été va s'être envolé. Que les téléspectateurs ont accès au magasin... C'est ce qui fait, en tout cas, que c'est un peu bruyant, une fois de temps en temps. Oui, c'est des bruits tout à fait naturels de fond. On va choisir quelques téléspectateurs volontaires pour venir manger notre gâteau. Et ce ne sera pas difficile, je pense. Hein? Sûrement. Quand même assez appétissant. Oui. On va leur servir ça pendant la pause. Ce que je voulais dire, c'est que le gâteau qu'on va présenter à nos invités est garni avec des noix et de la cannelle. Oui, celui-là. Que celui qu'on va présenter ici, on va le garnir avec des cerises. Ah, pour faire une variation. Pour montrer qu'on peut faire différentes présentations. C'est ça. Pendant la pause, on va finir de vous garnir le gâteau. Oui. Puis on va revenir de la pause justement avec la dégustation de ce bon gâteau aux carottes glacées au fromage. Et la présentation. Les commanditaires associés à l'émission La cuisine moderne au four micro-ondes sont Lassard autour du 38e avenue Est à Lassard, l'Aube IGA du Carrefour Lassard, 3e rue Est. Également le Carrefour Lassard, c'est génial, du 3e rue Est à Lassard. La cuisine moderne du 114 rue principale à Palmarol, Maison Déco 1991 incorporée du Carrefour Lassard, et finalement, l'Aube incorporée du 201 6e rue Ouest à Amos. Alors, Lise, nous sommes de retour avec la finalisation du gâteau aux carottes glacées au fromage. La partie la plus drôle. Oui. Quand on est presque prêt pour manger, c'est toujours la partie la plus intéressante. Surtout que c'est notre dernière émission. On va installer nos petites garnitures. On va placer ça avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Pour le plaisir des yeux. Ouais. On a réussi, en tout cas, à se récolter plein de gens intéressés pour goûter à ton dessert. Qui attendent avec impatience. Ouais. On a juste qu'un beau petit bébé à part ça. Qui voudrait bien mettre la main sur une pointe de gâteau. Un petit bébé connu au centre d'achat à part ça, parce qu'on le voit régulièrement chez ses parents. Et on avait garni le premier gâteau avec des noix. Puis ça fait Noël, hein? Ça fait Noël. Ouais. On pourrait très bien servir pour... Oui, ça serait un bon gâteau. La veille de Noël. Disons qu'on ne veut pas couper notre gâteau aux fruits le premier soir. On peut toujours faire un petit gâteau aux carottes. Ça a l'air Noël. Il ne faut pas oublier non plus que même si c'est la dernière émission, notre tirage du four micro-ondes est toujours en vigueur. Et si vous désirez participer, vous n'avez qu'à envoyer le titre d'une des recettes qu'on aura fait au cours de notre série de 15 émissions assez communautaire. Et peut-être aurez-vous la chance d'être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante d'un four à micro-ondes. Là, on va faire les petits swings, comme dirait Isabelle. Ouais. On les a gardés pour les faire. Parce moi, j'aime tout ça, c'est ça. J'aime tout ça, les petites décorations fancy comme ça, là, surtout après un gâteau. Si on a un plateau tournant. Félix a faim. On installe ça sur le plateau tournant. Ouais. Alors, pour le plaisir de nos téléspectateurs, on leur servira une bonne pointe de gâteau. Oui. Le glaçage, des fois, il va nous en rester un petit peu. Il va très bien se conserver au réfrigérateur, puis on pourra le réutiliser pour glacer un petit moco. Facilement, oui. C'est un peu dispendieux, il ne faudrait pas le jeter, puis c'est tellement bon. Surtout, oui, le fromage, le fromage. Alors, une belle pointe de gâteau, si vous remarquez, la mie est quand même bien sèche. Ouais. Le gâteau n'est pas collant. On voit que ça a bien cuit jusqu'au fond. On va servir une portion généreuse à notre maman pour que le petit bébé puisse passer ses doigts dans le glaçage. Oui, parce qu'il a très hâte d'y goûter. Bon appétit. Regarde, bébé, ça arrive. Que de joie dans cette expression. Alors, ils peuvent commencer à manger, à goûter au gâteau carotte. Ah oui! Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Lise. Ça a été j'ai beaucoup appris, moi. C'est des cours de cuisine gratuits, finalement, que je me suis offert. Puis en plus, tu es très bon professeur. C'est professeur, d'ailleurs, oui. T'enseignes la cuisine. En temps normal. Oui, et plein d'autres choses aussi que j'ai entendu dire. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre série d'émissions. On va vous laisser en compagnie de nos gens qui ont l'air à apprécier beaucoup le gâteau. Alors, je vous dis pas à la semaine prochaine. Il n'y a plus de semaine prochaine. Bye-bye. Salut, Lise. Merci. Bonjour. Mmh. Mmh. Bon, hein?